voiture. Monsieur, ça sert à rien. Ça va pas faire... Je vais partir au gameplay, on va faire niquer. T'as quelle heure le rebond? Elle est à 21. Libérez la porte radio. 200 mètres, mais le problème c'est qu'on a pas de visu là, si... à part s'ils contournent. Si ils sont dispersés. Hein. Ok, ils sont dispersés. Mon colonel, que... on fait quoi mon colonel? Parce qu'ils sont quand même au moins 10 rebelles armés quoi. Même plus que 10. Le problème c'est que si les mecs ils passent par derrière, on les aura. Mais s'ils contournent, on verra rien du tout à cette ligne là. Là il y en a par là, là je crois devant. Ouais, il y en a devant. Comment tu sais? Ça, bah je les vois. Tu les vois comment? Bah là, en décalant. Je te vois. Ah oui, c'est bon, j'en ai un dans ma ligne de mire. Ouais. Ouais. Elle y est plus. Bon, on fait quoi du coup? Parce que là, on en a envie de avec les snipers. Je crois qu'il va se mettre dans la baraque. Dans la baraque, il y en a un. Vas-y. Remets-toi vers le cabanon là. Ok, ils sont en train de partir dans la plaine. Qu'est-ce que je fais? J'en ai un en visu qui vous pointe. Bon, ouais, je les vois en position là, je les vois. J'en ai un qui vous pointe. J'ai sa tête dans la mine de mire. Attente d'ordre. Ah, je l'ai plus, putain. Regardez les points ici, ils sont tous dans les coins là. Le problème c'est qu'après ils vont encercler le comico et on saura pas d'où ça vient. Je l'ai plus. On devrait agir vite. Je le vois plus, putain. Il est dans le bâtiment mais je le vois plus. Je vais mettre un point sur la carte. Pour les autres. À part si c'est déjà fait. On est là, il est là. T'as mis un point? Ouais. Tu le vois ou pas? Ah ici, un. Ici, homme. J'ai eu un Mac qui s'approche. Mais je le vois plus, l'enculé. Hein. Il doit être couché, la salope. Si je le vois, c'est bon. Putain, on fait quoi là? Je sais pas. Il regarde vers nous là. Non, c'est bon. Ouais, bon. Position défensive, il y a 5 unités qui sont en place. Ils sont juste en face de nous. Mon colonel, nous attendons vos ordres. Ouais, regarde, spot un peu à gauche, hein, sa ligne. Ouais, voilà. Qu'on fasse paniquer. De toute façon, si j'envoie un qui me rush, je lui mets une. Ah, mais pareil, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Je risque pas ma vie pour attendre qu'il réponde. Quels sont les trésors? Oh, y'a un colonel connecté, qu'est-ce qu'il fait? Bah, je sais pas ce qu'il fout, solide. Putain. Moi, je vais pas attendre une heure comme ça. Ça va quoi, se faire buter? Ah, mais il doit plus avoir un moyen de communication, je suppose. Et pourquoi il s'est fait prendre en otage? Bah, je sais pas, regarde où il est. Mon adjudant, Zig? Oui. Il est où? On fait quoi alors? Il est où? Le plus haut gradé qui est sur l'opération. Il est tout en bas de Pierre Gosse. Quoi, le colonel n'est plus ici présent? Bah, il répond pas. Il nous répond pas du tout. Ah, y a mort, nous, nous, il a dû se faire enlever de l'envoyer une escouade à Pierre Gosse. Ah oui, excusez-moi, mon lieutenant. Nous faisons quoi? Mais vous êtes sous l'opération, mon lieutenant? Nous faisons quoi alors? Bon, en attente d'ordre. Attendez, mon adjudant, vous êtes où sur le chaîne? Je suis encore vivant, je ne suis pas connecté, je parle là. Et donc? Attends, la salle va sortir le Gosta. Putain. Tant négociation, parce que là ils se mettent en place et on nous encercle, on va tous mourir. Ouais. Là ça pue la merde, je te le dis hein. Faites gaffe, on retire aussi niveau des PCR. Faudrait pas leur parler à leur chef. J'ai le visu là. Quelqu'un courant se rapprocher en BC. Mon adjudant, je veux bien mon adjudant, je le fais. Il nous pointe, il me pointe, je te jure que ça prend une. Fais attention. J'avance. J'ai un rebelle qui me pointe avec son arme. Guillaume est parti pour négocier, je le couvre. Moi je te jure, moi. Décale-toi un peu vers moi. Essaie de le look à la troisième personne. Oh, capitaine, j'en ai un autre rebelle là. Attends, parce que c'est pas moi reçu. J'en ai un autre là qui s'est caché dans une maison qui a cassé. Ah, tu vois la maison où il y a le rebelle que je te disais là? T'as une petite maison détruite ou t'as complètement détruit? Ouais. Et il y en a un qui est rentré là. Ouais. Qui propose?
C'est qu'on se met tous en ligne et eux aussi se mettent tous en ligne et on se barre chacun de notre côté. Non, ça va partir en ça pue trop. Quelqu'un va faire brochette avec sa M107 ouais, ou la MK48. Ok, je me fais pointer là. Donc Mathis, là, c'est une solution Mathis va discuter. J'ai pas moi. Moi, j'ai vu Ryan passer à côté de moi et je vois qu'il y a toute cette pression vers moi. Qu'il y a Ryan et Solide. Mais Solide, il peut pas là. Il est. Je crois qu'il est kidnappé. Et Ryan donc, Ryan, je sais pas où il est, je le trouve pas sur TF. Il a passé bon. Récemment à côté de moi. Bon, s'il répond. S'il répond pas, c'est. Si la lutte dans le coin ne prend pas, c'est le gradé d'entre eux qui répond. Putain. Oui, je l'ai. Je l'ai en visu. Problème dans tous les camps, ça va tourner en boucherie. En plus, Mathis, il est encore plus présent, vous demandez lui. Mais je suis. Il est pas connecté. T'es même pas connecté. Putain, mais si, me porte tes couilles, mec. Mais je sais pas, j'ai vu Ryan passer à côté de moi. Deux minutes avant que vous m'avez crié dessus. Ryan passer à côté de moi. Prends tes décisions, mec. Oui, la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis fait engueuler parce qu'il y avait un lieutenant qui m'a dit et moi, vous m'ignorez ou quoi? Je lui dis ça en colonel, il m'a dit que ça. Non, non, mais nous on est là, on a demandé à dégrader, personne n'en prendait. Il y a déjà de leurs hommes qui parlent avec un. Si t'es le plus gradé, tu vas, mon gars. Oui, il parle en son. Oui, il parle en son. Charge pas des membres avec toi, enfin, je sais pas. Mec, au premier coup qui se passe, on tire. Si je vois un leur douche cache, je dis. Bah, faites ça, mais vas-y. Enfin, laisse pas tes mecs dans la merde. Attends, Vic, qu'on va changer de room, on va aller avec eux, je pense. Non, mais négatif. Négatif. J'ai deux tueurs ici, on a deux tueurs en visure. Dans non, le bâtiment monsieur, où je t'ai dit, et le bâtiment détruit. Ils ont pas l'air violents. Un mec en guise dans la maison, il y a le toit détruit. Et le deuxième qui est dans la maison où je t'ai dit qu'on a vu tout à l'heure. Ils sont deux ici. Eh, hey, Vic, c'est pas possible ce que tu veux faire. Parce que je t'explique, là, on est tous les deux avec le mec là, on est en fait devant nous. Et il y a trois rebelles allongés à côté de nous. Information importante, il y a pratiquement tous les régiments que je vois en train de se barrer vers la pierre là, ils sont en train de se poser dedans. De quoi? J'ai un visu sur un mec. Attends, fais gaffe, ça y est. J'ai l'impression que leur plan c'est un putain de piège à con. En effet. On devrait agir au plus vite, hein, avant qu'on se fasse entuber directement, nous prendre un revers. Hein. Microphone activated. Putain, mais vous voulez que je dise quoi? Ouvre feu? Putain, on est pas au. Non! Ouvre feu, mais on devrait s'imposer là. Là. Le truc là, c'est vous faites du blabla, ils gagnent du temps, ils sont en train de se mettre en position pour nous niquer. Bon, Guillaume, hein, tu donnes un ultimatum qui se regroupe tous. Qui se regroupent tous à corps armes dans le dos et on va les rien faire, on va même pas les menotter, mais qui se regroupent tous à corps armes dans le dos. Tu leur dis qu'on passe là, on va ouvrir feu. Ouais, que si on envoie un qui bouge pas, c'est mort. Ouais, je vais prendre les devants parce qu'ils mettent tous leurs armes dans le dos et qui se regroupent. Attends, j'essaie de spotter aussi les côtés. Hein. Allô? Ouais. Ah, moi je vais arrêter Arma, ça me saoule en fait. Ah ouais, bah attends, bah laisse-moi ta place alors. Attends, ouais, pareil. Non, mais quand je dis arrête Arma, ça arrête Arma. Il y a des snipers dans le traitement. Tout ce serveur là, il y en a partout, il y a des snipers partout dans la ville, Zigmo. Putain. Ils sont tous mis en place là maintenant. Non, soit ils sont honnêtes et qu'ils viennent tous, soit il y en a pas un qui vient en place, on les bute tous. Oh les gars, moi je suis sur le ghost talk. Mais voilà, tout est présent. Pourquoi tu donnes. Ouais bon, on s'en fout. On va voir ce que Guillaume va faire. Mais qu'est-ce qu'il va faire Guillaume? Il va y négocier avec eux. Mais putain. Et toi tu veux quoi qu'on nous fait? Allez Sani, slide au moins piou, t'es bête ou quoi? Peut-être t'aimerais bien ça mais c'est pas plus. Après on va gueuler quoi, ça s'énerve. Non, c'est juste que voilà, les mecs je pense ils vont nous essayer de nous mettre la plus grosse quenelle du monde. Ah ouais, vous allez vous foutre en ligne les gars, ils vont tous vous abattre, c'est pas vous mettez pas en ligne, soit vous. Ah bah ça sort de question ça. On a mis un de leurs hommes à poil les gars, c'est leur dignité qui s'en vont là. Et on en a buté deux, on a dit qui rentraient dans le camion là-dedans. Sinon on ouvre, ouais, je crois que ça a tiré. Non, mais là les gars c'est fini, hein. Enfin c'est là ça part. Mais c'est du fait, juste devant le mec, c'est fini. Il dit ça, il va me descendre. Là vous voyez un robot. T'inquiète, j'ai un piège sur les skis, le jeu. Je vois pas, vous-même. Mais les trucs, j'arrive pas à différencier PC à quoi, ils sont habillés tous en noir comme nous. Regarde ta carte, c'est pas ouais, mais les trucs. Les deux PC avec leurs, vos jumelles, essayez de vous mettre un peu plus à découvert. Vous êtes à couvert, vous êtes trop à découvert, vous allez, si ça part en shoot, vous êtes morts les deux. Bah, on est en position forte pour le moment, on a des murs, on a une maison, on a tout ce qu'il faut. Ah, mais le problème, c'est
qu'on aura du mal à vous reconnaître pendant la fête. Non, 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 si, ils sont en tenue noire, on peut les reconnaître. Position, vous les comptez pas tout. Juste rester collé à un gendarme, il serait sécurité. Ouais, essayez de chacun coller à un gendarme, de peur et vice versa. Comme ça, dès qu'on voit un gendarme, on abat pas, même s'il y a un rebelle à côté. Ah non, on joue. Ouais, je joue vachement, tu le vois comme depuis 15 minutes. Les deux, je les vois, les deux dans les maisons, je les vois plus, hein. Ah, donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'hélico, là? Il y en a qui viennent voir Orsu. Faut aller s'en douter, hein. Ouais, cette action, ça. Ok, messieurs, tout le monde spot des maisons. Si vous voyez un rebelle, vous faites signaler. Ils auront appelé les JO. Mais parce que ça, c'est le seul truc, je t'ai dit qu'ils... Ils sont tous mis sur la carte, ton véridique, hein. Faut tout ça, tant pis, tu fais avec. Non mais c'est le truc qui m'insupporte, ouais, c'est ce que je disais, écouter chaque que maison si possible. À chaque fois qu'on essaie d'en arrêter. Sound muted. Je vous remercie. Allez, 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 ça c'est la PCA. Faites gaffe la PCA, faites gaffe. Ceux là qui sont près de la maison détruite là, avec le toit détruit, vous avez un rebelle juste derrière vous, je viens de le voir dans ma lunette. Faites gaffe, il est là, là, il court. Il va se replier vers l'autre maison. Ok, ils sont deux. Ils courent. Ok. Il y en a un deuxième dans la maison, juste à votre droite, avec la fenêtre et le balcon. Il y en a aussi un à l'intérieur. Microphone activated. Donc fais attention. Si tu veux juste clear le petit bâtiment. Attends. Ah, c'est les armes. Vous avez visé sur Guillaume. Sound muted. Le truc sur les frères Zieb. A été innocenté. Ouais. Il y a des Zieb de Bouma. Ouais, Zieb, ouais. Les policiers ont l'accès. Ça fallait ça attendre. Hein. J'arrive. Puis le plus haut gradé arrive. C'est qui les personnes qui parlent déjà avec Ryan, tu sors le boost les ou personnes. Bah ouais, mais bon, j'attends le temps. Ah, y'a une moi j'arrive, moi j'arrive, t'es où? RHQ. Vas-y, j'arrive, t'as des tireurs ou pas? Bah non. Vas-y, j'arrive, je me mets à tirer droit et droite et gauche. Je suis solo en fait. Tu vas faire quoi? Pas comme ça, je t'ai déjà dit. C'est lui. Donc il m'a dit que... La personne m'a dit que bon, on a 3 sur zone, soit tu arrêtes de menacer, soit... Au pire, Ryan, on est tous les mêmes. Qu'est-ce qu'il a dit? Les hommes sont encerclés. Je sais pas, j'ai rien compris. Ok, non, en fait, ils nous menacent. Bah attends, on arrive avec le ghost. Non, non, en fait, ils disent que c'est nous qui devons dégager parce qu'ils ont pris toute la zone... Ils ont encerclé toute la zone. Les armes. On a un mec en bas, là, on a un mec en bas. Ah, Salini, il faut qu'on... Faut qu'on on se décale, Salini. On va plus en retrait, vas-y. Oh, les gars, écoutez-moi. Vous voyez le Zamak, leur Zamak? Ouais. Dans la maison, juste à droite du Zamak, il y a un mec dedans. Ouais, mais... ouais. Mais nous, on peut pas clair, faut on bouge, là. C'est bon? On va vers où? Va plus loin, là. En face, là-bas. Va au fond. Ouais, s'il faut, on progressera. Ouais, on progressera à pied. À 500 mètres. Y'a, en face! À droite! Non, il faut gérer, y'a un gars. À droite, là, juste là. Il faut gérer à 100 mètres, y'a un gars. Okay. On va se mettre derrière les maisons là-bas, tu vois en face là, ouais. 400 mètres en face de nous, là, y'a un mec, Neil. Si bon, heureusement qu'on a bougé sa ligne. Ok, messieurs, tous ceux qui sont dans la bûche, je vous ai mis un point homme, il est à l'extérieur, c'est un sniper, faites attention à vous. Il est caché dans les fougères, on vient de le voir. Il bouge, il est dans les bambous. User left your channel. Je vais essayer de venir nous chercher. Hein. Ouais, on a bien fait de bouger. Hein. Je le sentais ça. Quand il a dit tatatitatata, le mec qui on doit dégager, j'ai fait, c'est bon. Pourquoi il n'y en a pas un qui est directement allé les voir? Ah, rien, on a ce mat tout là. Pas encore, on attend le top là. Par contre, ils vont peut-être là, nous battre. Là, tu vois, là, c'est en train de se chauffer. Regarde, ici là. Non, c'est pas en train de chauffer. Regarde, on a des fenêtres là, Sani. C'est juste attends, que moi, je là, il demande à ce qu'on soit. Que en gros. Il est en train on de demander qu'on s'aligne tous. Qu'on s'aligne tous et qu'on se fasse juste un salut et qu'on se barre chacun chez soi. Il demande ça, il demande pas. Je demande qu'on les encule. Ah, non, moi je dis qu'on les encule. Hein. Je sais pas. Mec, bon, ça c'est un. On va pas se soumettre à eux, hein, en vrai. Ben bah, ça, il. Oh, Salini,
C'est toi qui as posé le point H-O-E-E là? Ouais, ouais. T'en es sûr qu'il était vers là? Il était pas plus. Mais il l'a bougé quand il nous a vu passer. Ah, d'accord. Bah, faites service pour le brigadier première stage. Ok, ok. Sinon, on met tous nos armes dans une dans nos voitures et puis on y va, hein. On se rend. Mais tu crois vraiment qu'ils vont respecter le truc, mon gars? Qui est chaud quand même pour aller se. Non, mais mec, c'est du délire. C'est du délire, les gars. Ah, je veux pas dire les gars, mais c'est pas nous qui devons baisser la culotte. Hein. Ah ouais, ouais. Mais les gars, mais Non, mais les gars, c'est du RP, quoi. Non, mais les gars, c'est du RP, les gars. Non, mais le RP, tu crois que les flics vont baisser la culotte, hein? Mais tu tiens plus à ta vie que la leur. Hein. Ouais. Mais oui. Oui, mais bon, on est aussi nombreux qu'eux, d'accord? Bon, monsieur, oui, on fait quoi? Mec, vous voulez vous sauvegarder notre vie ou on prend la boucherie? Un flic, tu vois, et voilà, c'est un mec... Il veut qu'on quitte la ligne, il veut aussi, mais on n'a aucune garantie qu'on... Attendez, Ziv, on veut l'avis aussi de la PCA, parce qu'ils sont aussi sur zone, donc PCA, vous en pensez quoi? On est prêt à vous soutenir, on attend vos ordres. D'accord. Donc en gros, on a un dilemme, soit on s'aligne et on peut tenter de sauver notre vie, mais on n'est pas sûr à 200%, ou soit c'est la boucherie et on n'est pas sûr de survivre à 200%. Donc le savoir qui fout, c'est moi, les gars, moi, je pense moi, que... Moi, on est en position, on a poté sur tous les hommes, ça vous le voir. C'est quoi l'histoire? Il y a tous les Goa qui sont en position d'un tira, ça va être une vraie boucherie où ils nous proposent qu'on s'aligne tous, Goa et flics, sur une même ligne, on se salue chacun par son côté. Soit on tente ça, soit c'est la boucherie. Ouais, mais faut pas oublier, c'est qu'on a battu. Oh les gars, c'est faut pas oublier, c'est qu'on a battu 3 de leurs hommes. On fait ça, Solina. Vous pouvez faire ça, mais après, si il en bute un de vous, c'est pas RP quoi. Ah, mais faut pas oublier, c'est qu'on a. Je dis que c'est au nom de toi ou pas? À ton nom? Pas. Monsieur, il va falloir se dépêcher parce que lui, ouais, mais... Solide, mec. Attendez, s'il te plaît. Solide, je fais ça ou pas? Ouais. Je leur dis que c'est de ta part? Ouais, tu peux faire ça. Ok, messieurs, le colonel Solid Snake nous propose qu'on s'aligne tous. S'il y a un qui se fait buter, bah on. Moi, je fais pas ça, mon gars. Non, on rase le costume, les gars, pour tourner. Non, moi, je dis qu'on s'aligne, ils vont buter tous en même temps. Non, pas de tête, il y a pas une balle. Mais avec les derniers, négatif, ce sera puni par les dieux, vous serez resté par là. Ok, messieurs, à tous les unités, tout le monde sort de son terrier à la ligne. Voilà, on a tué la station essence. Salini, monte dans le véhicule, non? Quand vous passez croiser des rebelles, montrez-leur que vous savez où ils sont. Vous leur dites de venir vous ranger avec nous. Terminé. Mais moi je comprends pas, pourquoi on devrait pas laisser partir sachant qu'ils ont buté des filles et tout, non? Mais non, moi, ce que vous avez pas compris, c'est que pour une fois, on a une putain de scène RP. On a une scène RP, les gars, pour une fois. Pour une fois, c'est une scène RP sympa. Ouais, mais y'a pas de soucis, mais moi je m'en tape. Moi je sens que ça va mal se finir, la scène RP. Hors-suit. Le vous pouvez rester en l'air. Après, faut pas oublier qu'on a battu 3 de leurs gars. Il est derrière, Salini, il est derrière. Ils sont tous sur moi, les gars. Oh putain. Ok, monsieur. Monsieur. Messieurs, écoutez, est-ce que vous faites on a eu les infos, des rebelles qui sont là-bas? Écoutez, messieurs, nous voulons pas une boucherie. Nous vous demandons juste de ne pas tirer, nous ne tirerons pas. Non, ne vous inquiétez pas, on a bien reçu le message radio, il n'y a pas de soucis. Écoutez, vous avez une femme et des enfants, vous ne voulez pas qu'ils continuent à vivre sans vous. Donc essayez de penser à tout le monde, monsieur. Allez, venez. On avance la main dans la main, monsieur. Il y a notre taxi qui arrive. Ok, je... C'est un bruit de votre bonne foi. On en a récupéré déjà deux. J'ai pas sauté. Ouais, ok, non. Messieurs, tous les snipers rebelles bougent, se dirigent vers le centre-ville en Ifrit. J'ai pas sauté, mon gars. Et c'est bugué, mon gars, ce truc. On voit dans la voiture, la vie. Mec, t'as sauté, t'es sérieux? Ouais, t'es dans le véhicule. Putain, j'ai switché à tir à gauche et ça m'a encore pas descendu pour moi. Vas-y, c'est mort. Quoi, attends, moi je ne vois pas dans la voiture. Vas-y, moi je te vois à l'intérieur, t'inquiète. Ça me casse les couilles, MC en 7 silencieux. Ah, mais... Celui qui parle avec leur chef, il y a tous ces hommes qui vous encerclent là. Mais oui, non, mais de toute façon, là c'est.
On tente tout pour le coup, voilà. Tout le monde est arrivé, en plus tous les snipers sont là. C'est qui touche pour enlever l'arme du dos ou pas? C'est Shift H pour les mettre. Okay. Si vous faites pas exécuter, je vous donne tous les paroles. Non mais pourquoi l'enlever? Il y a préparé vous à creux, donc vous pouvez vous faire moins. Mettez-vous à creux. Moi je sens la douche caca, mais... Eh oui. Oh le monde qui a mec. Et si vous les voyez se courir sans raison, vous courez aussi, c'est dur que ben, il a quelqu'un. Après. On verra bien au pire. Oh merde. Une blague à dire. Justin. Ah. Merde. Les mecs ils viennent troller à qui? Ils vont te demander de bouger avec le reste de la. Bah tout de même y'a plus d'archers en pire donc couvre-moi le ghost talk, je suis juste au-dessus en bas. Ça va être compliqué, y'a plus d'archers. On va remonter dans nos véhicules. Bon ils vont se casser, ils me disent qu'ils vont remonter dans le véhicule. M'énerve, c'est bugué. C'est... Mais c'est qui les GOA? C'est les GOA ça toi, vous dites. On ne tire pas tant qu'ils ne tirent pas. En métal j'ai regardé ça. On les laisse partir. Mais ils sont combien, putain? Mais c'est ce que je te dis, c'est pour les laisser partir. On les laisse partir. Est-ce que c'est clair? Oui, on les laisse partir. Ouais, okay. Ah, bien sûr. Ah, y'a quelqu'un? Oui. Allô? Ouais, t'es là? Bon, bon monsieur. Tous vos hommes sont regroupés. C'est pas une mais t'as l'envers. Ah, mais le compte 2, 15, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ben, j'ai demandé que vous repartiez tous d'où vous venez et qu'on se revoit plus jamais. Hein. Oui, affirmatif. Affirmatif. Ah ouais, mais t'as l'air de pas aller dans la ville. Hein. Vous partez de la ville, vous partez vous cacher. Mais... Ah, pas, ça va, il est tout le temps full. Ouais. Eh, vous êtes bien tombé là, toi. Et moi, j'aime bien ta gueule de chinoiserie là. Microphone activated. Eh, monsieur, s'il vous plaît. Ah, monsieur, on va se calmer, on va se calmer, on va se calmer, messieurs, messieurs. Il est quand même un peu monsieur. Chacun va rentrer chez toi, tranquillement, allez, allez. Oui, oui, on va rentrer, vous n'inquiétez pas, hein, de toute façon. Ouais, vous faites comme à l'école, vous vous alignez, et vous repartez. Oh, là, je dans Non, non, il est toujours là, mais bon, je sais pas si j'ai le droit de te prendre, en vrai. Bah, monsieur, on a pas du tout fait descendre, mec. Oh, tous les hommes qu'il y a. Oui, c'est une armée, carrément. Non mais on était mort mec hein. Bon le missile prédateur il arrive quand. Mais mec ça se voit bien sur la vidéo. Qui rigole descendre. T'es le chef. C'est largement un bug, ça se voit largement. Putain. Oh putain tous les mecs qui sont... Mais oui ah, mais ils étaient 20. Mais pourquoi tu crois que je t'ai dit que va, il faut pas qu'on rentre dans le gunfight? Oh les gars putain, c'est une armée qu'on aurait jamais fini hein. En plus c'est bien quoi, ça nous fait si je mets un tracker dans leur camion ça pourrait être marrant. Ouais vas-y approche comme ça on meurt. Non merci, c'est trop suspect, ils vont sortir mon mitrailleur. T'as décidé à la con comme ça ou pas ou t'en as encore beaucoup? D'ailleurs j'ai pas compris pourquoi au début y'en a pas un qui a été les voir. Bah parce que qu'on attendait quoi, un chef. J'ai des mains RP, je m'en occupe là. Vous savez que eux ils essayent d'avoir la tireur. Ok merci la PSA de votre coopération et de votre soutien, je vous remercie. Moi avant j'ai joué dans leur groupe. On va faire des c'est les G1. C'est bon là ils sont partis. Ouais, ils sont partis. Ouais, ils m'ont envoyé. Sound muted. Voilà. Petite interaction avec les GOA. Petite action RP. Pour être que ça part en bas de 100. Attendez qu'on les était séparés à nous. On était quoi 16-17, ils étaient une vingtaine. Pour être d'avoir des meurtres de partout. On a préféré que chacun reparte de son côté.